station d'inspection des troupes et des commandements dans le territoire d'Irumu, en chefferie de Walese Vonkutu. Les commandants secteur opérationnel Ituri, le général de brigade Tassongo Maloba Robert, est arrivé au centre de négoce des commandants, situé à plus ou moins 75 km au site de Bounia. Après la réunion des comités locaux de sécurité, autour de l'administrateur du territoire, plusieurs mesures sécuritaires ont été prises pour étouffer dans l'œuf toute manœuvre de l'ennemi sur la population. Parmi les mesures pour retenir le couvre-feu commence déjà ce soir, à partir de 20h jusqu'à 5h. Donc, je vais laisser les forces de sécurité et de défense de faire leur travail. Le commandant secteur opérationnel a appelé les habitants de Komanda et ses environs à la cohabitation pacifique, d'éviter les conflits tribalo-ethniques et de privilégier la paix. Le Congo, c'est un grand pays avec plus de 450 000. On ne peut pas stigmatiser une seule communauté disant que c'est la communauté qui a attaqué les autres communautés. Nous devons rester unis pour nous permettre de sécuriser notre ville. Et la population s'engage à dénoncer tous les mouvements suspects. Rappelons que cette descente intervient après la mise en déroute des ADEF et leurs supplétifs de Maïmaï par les forces armées en Dimo et à Otomambert, où les forces armées règnent comme l'épouse du César. Le commandement de la 22e région militaire, le général-major Kianga Mutara Smith, a tenu une causerie morale ce mardi 22 juin 2021 à l'intention des éléments du 211e bataillon de réaction rapide. La rencontre du général-major Kianga Mutara Smith avec les hommes de troupes a eu lieu au lieu de rassemblement de l'état-major 22e région militaire. Occasion de la relève effectuée entre le 211e bataillon de réaction rapide et du 212e bataillon de réaction rapide, ce dernier quitte Lubumbashi pour le Tanganyika. Comme de coutume, les forces armées de la République démocratique du Congo procèdent à des causeries morales. C'était en présence du général de brigade Massoudi Hassan Espérant et du général de brigade Pierre Miningo, respectivement commandant adjoint en charge des opérations et des renseignements et chef d'état-major de la 22e région militaire, que la causerie morale a été tenue ce mardi 22 juin 2021 au lieu habituel du rassemblement dans les installations du quartier général de la 22e région militaire. Dans son adresse, le général-major Kianga Mutara Smith a rappelé aux éléments du 211e bataillon de l'unité de réaction rapide à l'ordre et à la discipline. Le commandant 22e région militaire a saisi cette opportunité pour rappeler les missions constitutionnelles des forces armées de la République démocratique du Congo, à savoir défendre l'intégrité du territoire national, protéger la population et ses biens, en temps de paix, contribuer au développement économique et sociale du pays, conformément à l'article 187 de notre Constitution. Et les FARDC viennent en appui en rapport aux missions confiées à la police nationale congolaise dans le cadre du maintien du rétablissement d'ordre public. Toutes les unités des forces armées de la République démocratique du Congo, garnison de Lubumbashi, sont regroupées en compartiments dans différents endroits de la ville de Lubumbashi et ses environs. Ces unités doivent être prêtes à toute éventualité en vue de faire face à l'insécurité caractérisée par les vols armés et mettre hors d'état de nuire les plateformes des groupes armés Maïmaï, Bakata Katanga, signalés ça et là. Le commandant de la 22e région militaire a engagé ses interlocuteurs à l'observance des mesures barrières contre la COVID-19. Il a ainsi invité au patriotisme et à la fidélité au commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, soutenir les institutions légales du pays et s'est aussi appesanti sur le politisme de la paix. FARDC, notre devise.
La parade à l'élo, la prévoir, point mi balé, au Tokosolala. Yaliboso, Tokorobela, Baematali, mission en général, il y a FRDC, et DD, mission Navino, le col à 211e bataillon, en Akatia Villa Lumbashi. Vous avez la mission spécifique, il y a mi balé, la Korobela Baematali, discipline, parce que ce qui discipline les alités, mission Navino, au Kokokisangote. D'abord, mission, il y a FRDC, tout ça, la mission, Misat, Oyo, Constitution Mbokaza Kofé Sabiso. Ici, à l'Ibosso, ils allaient sécuriser la population de Bilokonaye. Il y a mis balai pour défendre l'intégrité du territoire national. Il y a mis ça tout en tas de paix pour participer au développement socio-économique. Il y a Mbokanabiso. Vous allez une unité de réaction rapide. Vous allez trouver dans la ville à Lubumbashi. Et c'est un peu de l'économie qui est la Awa. Vous allez la promenade de santé. Vous voyez, le tourisme était, vous voyez, le moussala. Quand on a commencé à avoir, on a engagé le 212e bataillon, le moussala qui moussala en gomme à l'âme. Seulement que, il y a un relève, le moussala soldat, et le moutouya. Le soldat, ce qui a oumé, il y a un sigle à se compromettre, à se familiariser à Batou. Alors, pour que ça y est, il y a un moussala relève. Il y a un moussala qui a été fait, il y a un moussala qui a été fait, il y a un moussala. Alors 212, va que ne peut couper Manazamba pour ça la relève. Ah, on a quatre Lumbashi, Nini et Zali. Quand on a comme à Kiawa, on a une criminalité à grande échelle. Miyibi va en deux côtés là-bas tout. Et puis Miyibi va en deux côtés là-bas tout. Minduki va en deux armes. Va côté, va bête, va tout massacre, on a quatre Yandako, va bouillir tout. Et le loco est paralysé qui Mboka, paralysé qui ville à Lumbashi. Et comme vous le savez, sur le plan importance, il y a ma ville à Mboka Nabiso. Après Mboka Munene à Kinshasa, ville à Mibale et Landi, ils allaient ville à Lubumbashi. Et donc, il fallait à tout prix de monter ma stratégie, ma mesure, il y a Kostili Selokoana. C'est vrai, la police, ils allaient Bosso, mais la police, il y a un mot que Koukaï Kosala Moussala Onate. Il y a un mot qui est armé, et FARDC, tout intervenir pendant que Kosala Kambouana. Il n'est pas normal, c'est quand il y a des Zali, la population n'a pas de Koufaka. Nous avons dit que la mission n'a pas de Zali combattre la population n'a pas de Koufaka. Mais ce que la population n'a pas de Koufaka, il n'a pas de Zali interpeller Bisso. Il y a un temps où tu as commis à interpeller Bisso, tu as monté une stratégie, tu as créé un compartiment. Après avoir circonscrit menace, il y a la criminalité et le banditisme. Donc à Boli ville, Oyo n'a pas compartiment. Donc Pessi Moutouna Moutou, rayon naïe. Donc Pessi Moutouna Moutou, espace naïe à responsabilité na katia compartiment, c'est qu'à Nini ya Kozala. Donc ça, les locaux, on a Nini. C'est que tous allez conscient que tous allez moyen mingité. Mais tout que vous allez mingité, vous êtes chaque fois qui problème, vous allez. Toki m'a toqué de quoi intervenir Rwanda. D'abord, un, ils allaient pour la Corée. Le général de brigade Longonjo, commandant AI de la base logistique centrale, a remis 32 brevets de fin de formation en coupe et couture aux épouses et filles des militaires le vendredi 10 juillet 2021. C'était à l'enceinte de l'atelier tailleur de cet établissement militaire. Cette session de formation était organisée par la base logistique centrale, dont le souci de rendre utile dans la société les dépendants des militaires. Prenant la parole pour son mot de circonstance, le général Longonjo a félicité les finalistes et les a prodigué quelques conseils. 4 mois durant. Jour pour jour, malgré les interruptions dues au Covid-19, on avait cessé d'assister aux cours devant les professeurs et qui se donnaient corps et âme pour vous apprendre ce dont il est pour votre vie. Je sais que chaque fois qu'on apprend, c'est dur. Il y a des reproches, des mauvais mots qui passent et des mauvais regards. Mais à moyen, l'objectif est, je vous encourage, je vous remercie, et que notre rôle d'éduquer doit être continué et perpétué, il est formé. Pas plus loin que le chimiste à défense, d'abord le commandant de corps logistique, chef d'état-major général, le ministre à défense et le chef d'état,
du commandant suprême, il y a des mamans, il y a eu des enfants de moins de 30 ans. Merci beaucoup et je suis certain que vous avez appris des choses très importantes. La chef de promotion, quant à elle, remercie les autorités pour cette initiative combien louable. Nous voici aujourd'hui d'arriver à la fin stage mécanité de la coupe et couture dans l'atelier de la base logistique centrale. Exactement le 24 février 2020 et qui arrêtant suite au COVID-19. Et nous avons repris le 19 octobre 2020, jour après jour, suivant les formations des stages qui vont donner un plus dans la vie de chacun de nous pour être utile dans la société, notre capacité de la formation. J'implore aux instructeurs, les adresses sans remercier les autorités, les instructeurs, soient humbles et modèles pour qu'ils soient, puissent donner des meilleurs pour même pour l'encadrement prochain aux stagiaires qui viendront après. Au sortir de la cérémonie, quelques finalistes ont livré leurs impressions au micro des co-militaires. Premièrement, la police commandant base merci. Elle est au bandage qui n'a souffrance dans la maladie à COVID pour forcer, pour qu'il y ait un confinement, après nous 5 bisous, il y a des gens qui sont bisous, pour bandit la part, sinon ça, au bandage qui n'a pas de problème. Merci papa. Là, il est là, il y a des gens qui sont mis. Et c'est un peu pénible pour les balles de maman. On a classe pour ce bandage qui est en haut, car 2020. Pour la vision du chef de l'État, le président de la République démocratique du Congo ne veut pas que l'on importe de la nourriture en réduisant ainsi les impacts environnementaux. Lancement officiel de la récolte de maïs à la ferme militaire de Baya. Pour les forces armées de la République démocratique du Congo, l'agriculture, pêche et élevage ne sont plus un rêve. Un projet pilote initié par le ministère de la Défense nationale et des anciens combattants en partenariat avec la société Amungo Logistique SARL qui s'occupe de l'agropastoral. Ensemble, ont rendu possible la production de maïs et de légumineuses par un nombre d'activités économiques ayant principalement pour objet la culture des terres et d'une manière générale, la société que dirige Mama Amisifura Esther, la directrice et gérante de Amungo Logistique SARL, aux côtés des forces armées de la République démocratique du Congo, en collaboration avec la direction d'agriculture, pêche et élevage de la 22e région militaire, ont réussi à concrétiser un ensemble de travaux sur la ferme militaire de Baya en transformant ce milieu naturel en rendant concret la production des végétaux et animaux utiles à l'homme. Le vendredi 18 juin 2021, la ferme militaire de Baya a connu une ambiance de fête. C'est suite au lancement officiel de la récolte de maïs, le commandant 22e région militaire, le général-major Guy Angam Tarasmif, a délégué une délégation pour cette lancée par son représentant, le capitaine Kalengawa Kalenga Augustin, directeur de production de l'agriculture, pêche et élevage à la 22e région militaire, qui n'a pas tardé de nous faire, dans son discours, de circonstances
les tenants et les aboutissants de cette manifestation. Merci le commandant suprême de FARDC, chef de l'État, son excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, relayé par le ministère de la Défense nationale et des anciens combattants, avec l'implication du chef d'état-major général de FARDC. L'armée considérée jadis comme un service budgétivore et uniquement pour la guerre, nous voici en ce jour le 18 juin 2021, ici à la ferme militaire de Baïa, où l'armée vient de faire sa deuxième récolte de 100 hectares de maïs, culture vivrière, au profit des militaires et leurs dépendants, pour l'autosuffisance alimentaire. Ceci est le fruit de la gestion confiée au commandant corps logistique, le coordonnateur et le point focal des directions de production FARDC, avec ce partenaire, je cite l'entreprise Amongo Logistique SARL, dans le même projet de Baïa. Bientôt, une minoterie, la pisciculture et l'élevage sont entendus dans un bref délai, avec le même partenaire. Au nom du commandant 22e région militaire que je représente, je lance officiellement la récolte. C'est une grande première. Cette production qui a commencé par d'abord 7 hectares de choux déjà récoltés, puis 100 hectares de maïs, travaux exécutés avec la main-d'œuvre locale issue de la population environnante. L'ingénieur Kasongo Sabin nous fait savoir ce que projette en perspective la société Amongo Logistique, SARL, et nous a brossé en quelques mots les difficultés rencontrées tout au long du parcours. Pas assez de machines pour l'accomplissement de ces travaux. Nouvelle technique, nouvelle méthode. C'est une innovation car cette production est tout à fait particulière de par la qualité supérieure des maïs récoltés. Oui, et puis seulement pour un sou. Nous voulons diversifier. À part les maïs, nous envisageons produire des poissons en grande quantité pour la population. Puisque à Baïa, il y a de l'eau. L'eau propre qui peut nous permettre de produire jusqu'à 900 tonnes de tilapia le mois. Nous sommes à mesure, nous, si vous allez là-bas, nous avons un bas-fond, nous avons de l'eau de qualité. Et si nous avons toutes choses, si on nous donne tout ce dont on a besoin pour produire, nous sommes à mesure de produire 900 tonnes de poissons chaque mois. La plupart de nos travaux, et si nous les avons accomplis manuellement, il n'y avait pas assez de machines. Et l'autofinancement aussi, parce que l'entreprise a autofinancé cela. Jusqu'à, je crois, 100%. 100%, c'est Amongo qui a autofinancé cela. Alors, nous envisageons que l'État puisse nous soutenir pour les prochaines productions, qu'il puisse nous donner les moyens, et nous allons montrer de quoi nous sommes capables. Ensemble avec l'armée, nous allons prouver comment on peut produire plus que ça. Par rapport à cette récolte, ça c'est une innovation. Parce que pour la plupart des cas, la production pour l'ensemble de notre pays, la moyenne c'est 3 tonnes. Ceux qui font mieux, ils font 5 tonnes. Mais avec la méthode que nous avons utilisée, la qualité des semences et tout notre technologie, nous sommes parvenus à 10 voire 15 tonnes à l'hectare. Donc, avec cette production, si les moyens sont mis, si on nous donne tous les moyens possibles, vraiment, on peut faire même 1000 hectares et ça peut produire beaucoup, beaucoup. Si on nous donne des engins, les moyens pour acheter beaucoup d'engrais, tout ce dont on aura besoin, on pourra produire beaucoup. Comme nous sommes partenaires de l'armée, c'est à l'armée maintenant, par rapport au chef de l'État et tout, s'ils peuvent mettre mettre des moyens pour que nous puissions maintenant intensifier notre culture. Bande
konangai basoda mpe mabota ya bayima pinga libanda ya monguna tozali kobeta omonyele mwa ekolo lelo tokomi na monguna mosusu oyo azali komona na soki mokete ye ayebi koningisa mokili binzoli bisika biso mpe akoteli biso na RDC monguna yango nde nani coronavirus COVID-19 ye azali kotala lopete ya moto te azali kotala bonene ya moto te azali kotala mokolo to mpe mwana moke te mosu to mpe mobola te kutu azali kobanga mandoki soki moke te azali koboma moto nyonso oyo akomibatela te mpo tolonga ye tokosalela manduki te tokosalela lompete ya biso te kasi totosa mibeko miye miso bakonzi bapesi biso mibeko yango ezali nini bandeko tosokola maboko ntango iso malamu malamu na sabuni mpe tosalela sabuni ya mai mbala o mbala to mpe putulu ya moto totika kokwanya-kwanya miso kotia misapi na zolo to mpe monoko tozala mosika na moninga na distance ya metele moko to mpe 1 mètre soki tokutani na baninga bamasuwa topesana mbote ya maboko te toyambana mpe te kasi topesa mbote ya mosala masoda tobengi bongo mosaku mpo na baninga oyo tomelaka masanga to mpe makaya totika nanu esprit d'équipe ya kokabola likaya na baninga nyonso tokokabola maladi na bisika ya mosala na mabota na biso soki olingi kokosola swati soki olingi kosala inci salela pape mosuar soki osaleli yango bwaka yango na ebume soki ozali na pape mosuar te salela ebumemelo ya maboko mpo na komibatela mpe kobatela baninga totika kobwaka nsoi mpambapamba tobatela bana babiso na kolatisaka bango sapatu ntango iso biso banso soki tozali na mosala te totika bitambola mwanza tobakisa bopeto na kati ya bakamp militaire bakomanda dikamp bolandela mitindo ya bakonzi mpo na kobatela basoda mpe mabota na bango kosangisa bato na parade kozeri moral na bacentre d'instruction centre d'entraînement to mpe baekole militaire baaktivité nyonso epekisami kino mitindo ya bakonzi matanga milulu miso epekisami soki otalisi bilembo ya coronavirus fievele nzoto bolembu kosukosu mokusa na mongongo komela bakisi bimelamela te kima na lombango epai ya baningana tobenga na banimero oyo bandeko bayima mpinga soki tokotosa mpe tokotia na misala miango miye miso bakonzi bapesi biso tokomibatela mpe tokobatela mabota mabiso wana tokoki koloba na FARDC zero